Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Staff de la direction de l'école Jean-Marie de la Menet, professeurs, parents, élèves, mes bien-aimés, soeurs et frères, nous sommes ici rassemblés pour eucharistier le Seigneur. Durant toute cette célébration, nous demandons à Dieu, par l'intercession de Saint-Joseph, de continuer à veiller sur nous, spécialement sur l'école Jean-Marie de la Menette. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, par l'intercession de Saint-Joseph, répands ta grâce, ta bénédiction sur l'école Jean-Marie de la Menet. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et maintenant, asseyez-vous pour écouter la parole de Dieu. Notre, le,
Notre lecture d'aujourd'hui, elle est tirée du livre du prophète Jérémie, le chapitre 20, les versets 10 à 13. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. L'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent, peut-être, ce sera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Comme un guerrier redoutable, mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là. Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider. C'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Jésus leur répliqua. Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter. Mais il leur échappa. Ils repartirent pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu en chantant ensemble. Soyez-vous. Tout le staff de la direction de cette prestigieuse institution, Jean-Marie de la Menay, très cher formateur, formatrice, très cher parents, élèves, mes bien-aimés, sœurs et frères dans le Christ. Ce matin, nous sommes réellement contents de nous retrouver pour célébrer avec les élèves de Jean-Marie Lamennais cette Eucharistie afin de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits, ses multiples merveilles à l'égard de cette école. Chers enfants, nous venons de chanter « Ta parole est vérité, Seigneur ».
La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous apporte la joie. Et ce matin, non seulement nous venons rendre grâce à Dieu, lui dire merci, mais également nous venons écouter sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et maintenant, faisons une petite réflexion autour de cette parole ou encore autour de ce passage évangélique que nous venons de proclamer. Chers enfants, vous y êtes. Ah mon Dieu, vous y êtes. Nous y sommes. Bien. Donc l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Jean, où Jésus a été accusé par ses ennemis, par les Juifs. Vous y êtes. Les ennemis de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bien, écoutez. Donc, je m'adresse uniquement aux élèves. Uniquement aux élèves. Donc, que les parents, que les profs se taisent. Ouais, uniquement aux enfants. Bien, chers enfants, chers élèves. Donc, la personne qui a la réponse, donc, qu'elle se mette debout, la personne, l'élève qui a la réponse, qu'il se mette debout pour répondre à la question posée. Jésus, il était en face des ennemis. Écoutez, les ennemis, normalement, ils disent du mal de vous. Jésus, il a eu des ennemis. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont raconté de mal, de mauvais sur Jésus? Bien. J'attends la réponse. Nous attendons la réponse. Élève. Allez. Tu as la réponse? Ok, ouais. Il y a une main levée ici. Non. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Ah, ok. Ah, de ce côté. Mon frère, il y a une main levée de ce côté. Il blasphème. Bien. Nous. Bien. Donc, ils ont qualifié Jésus de blasphémateur. Qu'est-ce qu'un blasphémateur? Blasphémateur, qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémer. Il dit Jésus, ah, toi tu es un blasphémateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Accusateur, accusé. C'est pas mauvais. Une autre personne. Une autre personne. Un blasphémateur. Un menteur. Bravo, Satan. Un menteur. Un blasphémateur. Un blasphémateur, c'est un menteur. Ça veut dire. Ils ont traité Jésus de menteur. Ça veut dire, un blasphémateur, c'est quelqu'un qui dit du mal de Dieu. Ah oui, c'est quelqu'un qui... ils ont qualifié Jésus de menteur. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est l'envoyé du Père. Il est venu pour réaliser, pour accomplir la volonté de son Père. Et Jésus, non seulement il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Jésus est à la fois homme et Dieu. Les Juifs
ou encore les ennemis de Jésus, n'arrivent pas à comprendre que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi dit Jésus. Donc, toi, tu mens, tu n'es pas Dieu. Pour qui te prends-tu, cet homme-là? Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus, tu mens. C'est ce que les Juifs ont dit de Jésus, le menteur. Chers enfants, Jésus est-il Dieu? Chers enfants, Jésus est-il Dieu? Bien sûr que oui. Jésus, il est Dieu, il est pleinement Dieu. Jésus, il est homme, il est pleinement homme. En Jésus, une double nature se réunit. C'est la nature divine et la nature humaine. Bien sûr, Jésus est Dieu. Non seulement il est homme, il est Dieu. Avançons. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider. Ouais. Ils cherchent à lapider. Ils cherchent à jeter des pierres sur Jésus. Ils cherchent à lapider Jésus. Pourquoi? Pensant que Jésus a blasphémé. Tu prétends être Dieu. Écoutons Jésus, mes frères, mes sœurs. Ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux et l'écriture ne peut pas être abolie. Chers enfants, mes frères, mes sœurs, Jésus, il a été victime des calomnies. Il a été victime de fausses accusations venant de ses ennemis. Jésus, il a été victime du mensonge. Jésus, il a été victime par ses opposants. Jusqu'à présent, jusqu'à date, il y a certains qui disent du mal de nous. Les ennemis, les adversaires, les opposants, souvent, ils disent du mal, ils disent du mauvais contre nous. Dans cette Eucharistie, demandons à Dieu cette grâce, la grâce de tenir jusqu'au bout, la grâce de marcher toujours avec lui, derrière lui, la grâce de vivre avec lui, en lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, levez-vous et ensemble, adressons-nous à Dieu en le priant. Après chaque intention, nous chantons. Seigneur, venez-nous
Nous te prions pour ta Sainte Église ainsi que ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont reçu la mission prophétique d'annoncer ta parole, afin que ton esprit leur donne force et confiance. Exauce notre prière, Seigneur. Professeurs, spécialement ceux de l'institution Jean-Marie de la Menée, afin que Dieu leur donne force, courage et sagesse dans l'accomplissement de leurs tâches. Exauce notre prière, Seigneur. Responsabilité chaque jour mener Timoun yo l'école, et spécialement parents Timoun Jean-Marie de la Menée yo. C'est pour bon Dieu la vie a toujours protéger yo dans mission ça, malgré tout danger y a confronté. Ensemble, en la prière. Cap souffrir dans corps yo dans âme yo dans l'esprit yo à cause situation pays nous qui pas bon du tout pour bon Dieu la vie a aider yo dans souffrance yo pour yo ka joindre soulagement ensemble en nous la prière. Cyclone violence ak insécurité ko tout citoyen yo a vive ak en pile la pérez, c'est pour poser la vie à toucher conscience diriger nan bayo l'amour ak intelligence ensemble en nous la prière. Seigneur, nous te prions pour nous donner l'esprit de compréhension mutuelle, l'esprit de tolérance et de pardon. En ce temps de carême qui symbolise l'amour, exauce nos prières, Seigneur. Amen.
en silence, présentons à Dieu nos demandes personnelles. Unis-nous, Seigneur, nous sommes les membres de ton corps. Écoute les prières que nous t'adressons. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Parents yo font tichita pour nous s'il vous plaît. Parents yo font tichita pour nous. OK, merci pour compréhension.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travers ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur l'école Jean-Marie de la Menaie. Directeur, professeur, élève, parent, le petit personnel. Sur Jean-Louis Ossé Iverkli, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons prier le Père. Notre Père,
qui es aux cieux. De ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants, mes frères, mes sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Avec un cœur bien disposé, approchons-nous pour le recevoir.
Thank you.
est sincère, derniers ancêtres pour nous déconner. Son salon vit nos fruits, si cadeau par nous, c'est avec même la foi, avec même sentiment. C'est qui ça, grand maître, pour ta beauté par où, pour ta paix au plaisir. Sorito, c'est pas ça nous gagne, mais c'est que.
Seigneur, que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Marc-Arthur Salomon, Mesdames et Messieurs de la paroisse Notre-Dame d'Alta-Grâce, Monsieur le directeur de l'institution Jean-Marie de la Menet, chers parents, chers collègues, chers élèves, amis et invités, bonjour. C'est un immense plaisir que d'être ici ce matin, vendredi 8 avril 2022, à l'occasion de notre traditionnelle messe dédiée à Saint-Joseph, patron de l'école institution Jean-Marie de la Menet. Je souhaiterais commencer ce remerciement par un petit mot si spécial qui est merci. En premier lieu, nous tenons à remercier le révérend père Marc-Arthur Salomon pour cette messe qu'il nous a offerte. Chers élèves, je vous demande de l'applaudir chaudement. En second lieu, nous remercions d'une façon spéciale notre directeur, Maître Anselme Destin, le maître à penser de cette institution, pour son engagement, son professionnalisme et son sens de responsabilité. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ce grand monsieur. Nos remerciements vont aussi à l'égard de Madame Lucie, qui représente notre mère à l'école. C'est une personne dévouée, dynamique et infatigable en ce qui concerne le bon fonctionnement de l'école. Je vous demande d'applaudir cette courageuse femme. Nous tenons aussi à remercier la chorale menésienne pour tout ce qu'elle a montré aux parents, sans oublier Maître Jasmin, Maître Pascal, Maître Casimir et Mademoiselle Jenny. Il en est de même pour les musiciens. Nous vous remercions pour l'accompagnement musical qui a exalté toute la cérémonie. C'était extraordinaire. Nous vous disons un grand merci. C'est un bon moment pour remercier tous les acteurs qui ont pris part à cette fête. Les professeurs, les parents, les élèves et tout le personnel de l'école institution Jean-Marie de la Menet. La fête ne sera pas possible sans vos accompagnements. Alors, applaudissez-les, s'il vous plaît. Comme disait le célèbre Jean de la Bruyère, il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Merci à tous d'avoir participé à cette messe et d'avoir rendu celle-là différente. Ce fut un ravissement. Alors, merci beaucoup. Je vous demande de vous applaudir chaleureusement. Merci, merci. Encore une fois, nous vous disons merci. Nous arrivons au terme de cette célébration eucharistique et
si m'te capable retourner petit Jean ti moun sa ou petit m'pa gen l'autre l'école que m'ta pral aller Jean-Marie Labenet. We pick up that, we pick up that, we pick that, we. Gon dédiction que m'fait matin, l'aime passer j'aime dans Delma, moi gen deux l'école. La première école s'appelle Jean-Marie de la Menet, la seconde s'appelle Les Autres. We pick up it, we pick up it, we pick up it. Donc voilà, j'étais vraiment content, réellement content d'être avec vous, vraiment, Donc l'animation vraiment a été chaleureuse, même bon Dieu dans ciel là, en premier, des contents. Donc encore très cher. Tes chers membres de la direction, tout le staff, tout le corps professoral, tous les élèves, encore le petit personnel, à vous tous, un grand merci. Donc, parents, yo, on parle avec les petits dans l'école la menée, ils qu'on choisit, monsieur. Parents, ça, yo, nous pas égarer, nous qu'on choisit, nous qu'on goûte bon. Encore, on nous applaudit, parents, yo. Bien. Et maintenant, hein, et encore et une dernière fois, nous allons ensemble entonner, voyez, l'action de grâce. Voyez, c'est tellement beau, hein, ce chant-là. Waouh, Encore, les donc maestro, les élèves, hein, action de grâce, le refrain et le premier groupe, l'action de grâce, ouais. Mettez-vous debout, action de grâce, hein. Je pas tout, 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 voilà, bravo, compliment. Et maintenant, nous saluons notre maman du ciel. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur. Maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tellement prend feeling, m'a quitté nous aller. On d'abord demandé nos excuses pour retard là et ça fait que nous font gens pour ne pas qu'aimer nous trop parce qu'on était en retard, excuses. Donc nous souhaitons
en bas protection bon Dieu la vie, en bas yeux Saint Joseph, je vous souhaite et très chers élèves, professeurs, directeurs, très chers parents, mes frères, mes sœurs, bonne et sainte journée. Merci mon père, pareil. Merci. Encore, compliments les élèves, tout staff là, compliments, vraiment. Yo banon, yo bon accompagnement, voilà, merci. Allez dans la paix du Christ.